amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision Nationale d'Haïti, c'est toujours avec même qui est content. Nous comptons rejoindre nous après un long week-end pour nous venir brasser l'idée dans l'émission pour la Haïti 360. Une émission qui va être tête pour mission, faire promotion de connaissances utiles dans le pays. Dans l'idée pour permettre de nous construire l'histoire d'une autre façon. Construire l'histoire côté n'a permettre que l'autre société qui monte tout bon vrai sur un changement, démocratie avec état de droit. À ce moment, nous parlons de collectivité, une entité, mais qui gagne en pile responsabilité dans la question de construire justement un pays côté tout le monde qui a goûté de crasse bonnet sous l'angle avant de arriver dans le dernier bout. Eh bien, et pour nous faire ça, j'aime toujours faire chaque soir, c'est avec des invités qui trient sur le volet, qui gagnent des connaissances utiles pour partager avec nous. En dans espace ça, qui nous gagnent pour nous animer des débats ensemble avec eux. Mais avant de faire ça, nous avons pris une pause là pour nous venir découvrir ensemble et plonger en dans débat, un débat qui, comme chaque soir, est très intéressant et très utile. Comment pour collectivité territoriale yo vinn tourner et jan diya un ben yon outil développement tout bon vrai en dan pays ya. Thématique ça nous pour nous débattre li ensemble avec magistrat Jules Edouard Pierre qui passe de présentation une personnalité un ben qui jan tout moun konnen ni investil dans bataille pour permettre que collectivité yo jouit de autonomie yo que soit financière mais également administrative. Eh bien, nous allons gagner ensemble avec lui pour nous garder la situation collectivité territoriale le jour et jeudi. Qui gens à travers la Fédération nationale des maires, eh bien, même y a débat pour voir qui gens capable permettre que mairie et l'autre entité qui compose la collectivité territoriale, eh bien, jouer rôle comme ça doit en dans tout projet de développement sérieux pour le pays. Et puis nous allons gagner pour nous parler avec M. Woodland Anglade, qui est directeur question collectivité territoriale en dans ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Yo même yo allons gagner à travers le débat, mais pour yo porter grain de sel par yo, pour des lumières par yo, pour permettre que ou même qui la caillou comprenne qui dynamique qui traverse collectivité territoriale. Yo. Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'émission Panon Haïti 360. Bonsoir. Bonsoir Lionel, je salue le directeur Anglade. Nous saluons tous les magistrats dans le pays, nous saluons tout le monde qui est là, nous saluons toute la diaspora. Mon Martinique, mon Guadeloupe, qui est là, et mon en France en particulier. Nous saluons les Haïtiens et merci pour l'invitation à Obano Asoya. Vraiment un sujet qui est assez intéressant, qui est d'actualité, qui peut être capable de permettre qu'ensemble nous jouions deux trois solutions par rapport à l'éventail et problèmes que nous avons confrontés au niveau collectivité. Nous pensons que c'est de bons débats qui vont être faits là à Asoya pour nous. Et porter éclaircissement par rapport à des points d'eau, mais justement, ce que c'est l'industrialisation en Haïti. Mais il faut qu'on fait tout pour nous, comment capable de renforcer et assurer et au final et que la collectivité est en position pour servir à la population côté évolué. Monsieur Anglade, débat à lancer. Journée aujourd'hui, on a parlé de collectivité territoriale. De qui ça, exactement, à travers les lois haïtiennes, nous capables de parler de collectivité territoriale? Merci un pile et d'abord c'est remercier pour l'invitation. On profite de saluer le président Fénamne, magistrat Jules Edouard Pierre, qui a fait un bon travail, comme on dit, au niveau collectivité. Même saluer tous les téléspectateurs, Télévision Nationale d'Haïti, et je pense que le moment ça va prendre un bon moment pour nous parler, discuter, question collectivité territoriale. Et question gouvernance locale et question décentralisation. Et je dis à qui est l'État, qui est l'administration centrale là, dans la question ça, et qui s'est fait pour effectivement collectivité territoriale. J'entends l'émission d'IL pour retourner pour tout le temps développement pays. Et je dis à simple, on n'a pas de collectivité territoriale, on n'a pas d'entité que la loi définit comme des entités territoriales qui est administrativement autonome et financièrement autonome, qui délimite son territoire donné, mais que la loi dit qu'il y a des compétences propres par rapport à des compétences que l'État a gagnées et qui capote service pour la population. Et les gens qui doivent être en tête de la collectivité territoriale, c'est des élus qui plus près de la population, qui sont capables de porter des réponses plus vite et qui ont besoin de la population. Là, on a parlé de collectivité territoriale, en général, c'est ça que nous devons. Très bien. Jules Edouard Pierre, un élément important de l'intervention, c'est la question autonomie financière et administrative. Je ne veux dire à quel niveau nous-mêmes en Afinam, par exemple, comme collectivité, comme groupement de collectivité, eh bien, nous jouons, nous bénéficions de l'autonomie. Ça. Bon, et question d'autonomie, c'est une question qui est sur papier, au fait, il faut reconnaître.
que au niveau des lois et qui parle de décentralisation en Haïti, autonomie, il fait il pas être clairement. Mais dans la réalité, il y a un pile souci parce que l'autonomie au double niveau, au niveau administratif et au niveau financier. Au niveau administratif, il faut reconnaître que l'État, le ministère là, lui accorde assez de possibilités de marge de manœuvre au maire pour ta plus ou moins consacré et autonomie administrative là. Sur question, sur l'autre volet autonomie financière là, il y a un peu de préoccupation parce que quand même, directeur Anglade connaît aussi bien que moi, c'est 1 milliard de gouttes environ, eh bien, qui représentait et fiscalité locale là aujourd'hui à pour 140 communes. C'est même collecte, même section communale, pas vraiment qui ont fiscalité propre à eux-mêmes, étaient capables d'assurer autonomie financière. Yo. Donc, au niveau fédération, c'est le sens de notre combat, c'est garder dans le dialogue, hein, dans le dialogue, comment on est capable de propulser et démarcher, impulser et démarcher ça, fait que l'État reconnaît qu'en 87, que la population a été choisie par voie référendaire, eh bien, au mode d'organisation de l'État et des territoires, et que, qui a accès à la décentralisation, qui voulait dire le transfert concomitant de moyens et de compétences. Ça ne dit pas la décentralisation si effectivement, c'est seulement il y a transféré compétences par les collectivités. C'est des entités qui sont créées par l'État, dans l'État unitaire, mais qui est décentralisé. Ça veut dire que nous ne sommes pas indépendants dans l'espace de l'État. Nous n'avons pas plusieurs États en Haïti, comme l'État que l'État d'Haïti. Mais selon le mode d'organisation que nous choisissons, c'est transférer des compétences et des moyens aux collectivités, à ces entités, pour exercer des compétences pour des prérogatives que l'État gagne, les choisit, partage ou transfère à partir de son territoire. Je dis, qui sont question autonomie financière là, il y a assez préoccupante. Vous regardez par exemple combien mairies, mis à part Delma, Pétionville et Tabar et Carrefour dans une moindre mesure, c'était Soleil, Port-au-Prince, qui est capable de caisser 15-20 millions de gouttes pour faire un projet. Je dis, c'est quand même majorité commune, c'est ministère là qui a bailli appui à travers le fonds de gestion. Il va arriver développer une fiscalité propre. Permettez que nous enchaînions avec Witland Anglade. Et par rapport avec le tableau que Jules-Édouard Pierre décrit là, est-ce qu'on a dit qu'il y a un antagonisme entre l'intérêt de l'État central et l'intérêt de la collectivité qui fait que justement, problème de budget, ça, problème de financement, ça, il y a un projet local, il y a même posé. Pas quoi que il y a un antagonisme, parce que la question, c'est pas la liée, c'est pour nous déjà admettre d'accord que son construction. Et décentralisation, son processus, la printemps, il faut admettre que la printemps, il faut admettre tout que moyen, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau de la collectivité, moyen très limité. Qui ça a fait aujourd'hui avec des moyens limités, fait mieux. C'est comme ça pour nous la question, et c'est comme ça, on croit que le ministère, dans ça, l'a fait au jour le jour, dans le type d'accompagnement, la baie collectivité, il n'y a pas jamais suspendre, garder question comme ça avec eux. Et aujourd'hui, un niveau d'intervention, nous, c'est construire un dialogue permanent et surtout un dialogue constructif entre collectivités avec l'administration centrale de façon à ce que nous arrivions à mettre des politiques publiques très cohérentes. Ensuite, l'autre niveau d'intervention nous faire, c'est permettre que collectivités opérationnelles. Parce que je dis à si une priorité pour nous, si une priorité pour nous, c'est mettre des administrations fonctionnelles en une collectivité territoriale. Je crois que nos points n'ont pas qu'à parler de antagonisme parce que faut que nous mettions d'accord sur le processus et Maïska, je dois comprendre ça et comprendre ça que en pile fois, nous sommes étonnés que le type d'appui et de relation rapport que le ministère a construit, a mis en place avec surtout association, surtout fédération. Qui fait quelque part, je crois que c'est le plus important. Nous mettons d'accord sur un processus que nous avons construit ensemble, qui est une construction politique là-dedans aussi, mais qui doit permettre nous de déboucher in fine, parce que pas gain ou pas bois, c'est service à la population.
Et l'État, à travers l'administration centrale, là, c'est ultime garant de droit à sa population. Bien. Je dis à final, paraît presque comme une révolution, parce que l'une des premières reproches que les collectivités ont été, mais c'est l'absence d'unité dans le temps qui permet qu'ils n'ont pas fait contre-pouvoir. Parce que quelque part, les collectivités autour entrent dans la logique de contre-pouvoir par rapport au pouvoir central là. Parce que en 1987, tout le monde connaît, c'était la peur du retour à l'hyper-présidentialisme, côté pouvoir distribuer en plusieurs entités pour éviter que nous tournions dans la dictature. Je dis à mise à profit, l'autre entité qui gère un peu dans le secteur, et qui s'aligne tout comme proposition dans Diakout, justement pour nous permettre que le pays arrive à atteindre le niveau de développement que tout le monde espère. Bon, il y a une proposition et nous fait que la bataille pour ça passer. Il faut saluer au passage le travail que le MRH a fait aujourd'hui sur la réforme de l'État. Saluer le coordonnateur là en particulier, qui a piloté la réforme. Non, c'est nécessité que y ait un document de politique nationale d'industrialisation. Que l'État dit clairement comment le commandement d'industrialisation sur une base consensuelle. Là, dans le département, là, dans le secteur communal, là, dans la commune, lui parler avec la société civile, le secteur privé, le parti politique, pour le dire. Nous avons engagé en 1987 dans la dynamique de l'industrialisation, mais je dis à 30 ans après, nous n'avons pas vraiment fait trop de bagailles par rapport à grand jeu. Nous avons décidé de faire l'industrialisation. Hein. Gagner une appropriation par l'État et les secteurs de questions. Hein. Et nous exprimons à travers un document de politique nationale d'industrialisation qui identifie les compétences. Parce que un problème que je dis à au niveau collectivité, c'est. Son principe de base, hein, principe de subsidiarité, que sous le même territoire, là, communal, là, par exemple, il y a 13 sections communales Carrefour, moi, c'est magistrat. Kazek, là, c'est magistrat, entre guillemets, dans la section communale, par là. Il y a des compétences. Il y a bon moins, il n'y a pas qu'à bailler Kazek, là, il n'y a pas qu'à bailler section communale, là. Il y a des compétences sur la section, il n'y a pas qu'à bailler communale, il y a des compétences sur la commune, il n'y a pas qu'à bailler département. Je veux dire, les compétences ne sont pas clairement identifiées, ça crée un chevauchement. Et des conflits sur le même territoire. Nous avons une responsabilité tout. Et quelque part, pour nous faire des projets de lois. C'est ça, madame, c'est ça d'expliquer. En politique nationale de digitalisation, à identifier les compétences pour chaque entité, pour chaque collectivité. Ce n'est pas moi qui fais ça, ce n'est pas vous-même, c'est ensemble. L'État, par exemple, récemment, dans le séminaire qui est fait dans le MHA, nous dit qu'il y a un extrait, un livrable de réforme. Ça, c'est abouti à la mise en place. De documents de politique nationale d'industrialisation qui se dit clairement, mes côtés nous soutiennent, mes côtés nous, mes côtés nous voulons aller. Parce que je dis, la majorité des textes qui traitaient de fiscalité locale, ils ont atteint en 87. En 87, nous choisissons l'industrialisation. Mais la majorité des textes, ils ont atteint en 87. Donc, c'est ça pour m'expliquer nous, que pour Youssouf Enam, je dis, c'est mettre en place, c'est un document de politique nationale d'industrialisation qui dit qu'ils ont vision, qu'ils ont philosophie, qu'ils ont objectif, qu'ils ont résultat attendu, mais aussi les moyens. Sous côté de prendre les moyens pour nous doter collectivités, dans le cadre toujours l'État unité en ça, pour y avoir assez de possibilités en termes de maîtrise d'ouvrage, pour bail service, pour que l'État te dit pour bail à travers la création ça. N'a pas plu, on va suivre l'émission pour là, Haïti 360, à Soya, on a débattu autour de questions collectivités territoriales. Comment pour collectivités territoriales, comme entité justement qui entre dans la perspective de décentralisation, en bien fondamental, rôle protomitant que constitution avec loi pays à Bayo, en bien dans le projet développement pays. Et M. Whitland, il y a une préoccupation que tout le monde gagne. Comment expliquer en 30 ans pratiquement situation, un type de rapport qui existait entre collectivité et l'État central, par exemple, c'est pratiquement des rapports conflictuels qui gênent nous-mêmes au niveau du ministère intérieur aujourd'hui, nous travaillons pour nous permettre que justement nous sortions d'un type de rapport ça, pour nous gagner des rapports plus harmonieux, pour nous faciliter justement le travail collectivité, mais également le travail l'État central. Pas de rapport conflictuel. Effectivement, quand il y a des divergences sur un pile point. Parce que même si, encore une fois, intérêt au même, parce que c'est service à la population, c'est Haïti et service à la population, mais nous ne comptons pas au même genre. Même quoi, que, sous les derniers 30 ans, il y a à peu près 5 générations d'élus passés depuis la Constitution. Il y a des efforts qui font. Il faut admettre qu'il y a des efforts sous réforme de décentralisation. Mais réforme n'a pas abouti, il y a plus de raisons qui disent ça. Et une des premières raisons qui fait le pas abouti, parce que
réforme qu'on paraît des réformes que bio imposé à collectivité yo, sans participation yo. Et réforme qu'on nous paraît un peu trop brutal, exemple changement, parce que faut nous toujours, et nous se dit tout à l'heure, décentralisation son processus. La printemps, il faut nous d'accord que qui côté nous sortir et qui côté nous aller avec. Ensuite, il y a plusieurs éléments qui permettent aujourd'hui à mesurer le degré d'avancement dans la question de décentralisation. Compétence, magistrat se dit, est-ce que compétence clairement définie en chaque niveau collectivité territoriale? Mm-hmm. Effectivement, il y a un plus gros défi aujourd'hui. Et pour nous, c'est gouvernance multiniveau. Et par exemple, sur le même territoire, avec des compétences partagées et qui, en pile fois, dépendent de soit des cas éclats ou des magistrats, et ces populations qui subissent parce que le service n'a pas bail. Très bien. En plus, deuxième élément qui permet de mesurer le degré de niveau, c'est le moyen. Les gens qui travaillent dans la collectivité, je dis à. Est-ce que c'est des gens qui sont professionnalisés et c'est des gens qui sont stables en administration, moyens financiers. Ensuite, il y a un plus gros bagaille qui pour faire la question ça, c'est mettre en place des mécanismes, des contrôles standardisés, de façon à ce que, effectivement, les principes de l'État unitaire respectés et permettent que, toujours sous question de décentralisation, l'État, avec un seul centre d'impulsion politique, gouvernement, définit clairement une grande politique. Très bien. D'après vous, vous suivez l'émission pour la Haïti 360. Déjà, en pile parole qui t'a parlé, en pile parole constructive qui parlait en émission ça pour permettre que vous-même vous pique les et comprendre la dynamique collectivité territoriale et qui vous avez pu jouer. Et bien, un gros projet de développement pays, il y a que Constitution 87 là, comme ça nous a relé un gros projet national, et bien, il est établi. C'est le moment pour nous prendre un petit souffle en émission. Hein. Et nous, pas trop long, restez branchés, restez campés devant la télévision, nous tournons pour nous continuer avec le débat. Haïti 360, c'est émission ça, on va suivre dans le moment ça, sur la télévision nationale d'Haïti. Et pour mener le débat, comme chaque soir, c'est un mot Lionel Edouard qui vient avec lui sur le plateau. Monsieur Whitland Anglade, qui est directeur de mes questions collectivités territoriales dans le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Et nous avons avec notre magistrat Jules Edouard Pierre, lui-même qui est président FENAM, Fédération nationale des maires d'Haïti, Jean que ou même vous connaissez. Avant de te proposer, magistrat Jules Edouard Pierre, et M. Anglade a parlé de questions et nous capable de dire nous pas ouais bagaille même gens des fois qui peuvent créer des tensions entre l'État central et collectivité. Est-ce que je ne vous dis à bon lieu côté nous chita ensemble pour nous harmoniser position parce que quelque part nous pas capable bien plusieurs projets qui a exécuté en même temps sur le territoire quelque part mairie avec l'État central là chita pour ta ouais qui gens ou même nous capable aller dans la main. Est-ce que nous avons un espace pour nous faire ça? Même si pas de gain, il faut que tu gagnes. C'est une nécessité. Il faut nous dire que la fédération, malgré toujours une dynamique syndicale de combat, effectivement, dans le respect de la loi, nous toujours chercher, créer et demander au ministère là espace d'échange, de dialogue pour assouplir un ensemble de sujets. Et très souvent, nous rencontrer avec eux pour nous montrer que ça n'a pas remis, ça a une suite qui fait. Et très souvent, et nous jouons une solution. Par exemple, décentralisation, comme c'est un ensemble de compétences qui transférées de l'État aux collectivités, il y a des compétences que les mairies et les communes ont exercées, qu'il y a des ministères autres que l'intérieur qui exercent autour. Donc, problème non, soit, mis à part question fonds de gestion, la majorité des problèmes que les mairies ont gagné avec l'autre ministère. Par exemple, problème nous gagnons avec le ministère de la Santé publique, nous avons des compétences en santé. Nous n'avons nulle part des espaces d'échange, d'harmonisation, d'articulation des actions entre ces ministères sectoriels et les collectivités. Par exemple, l'éducation nationale. La Constitution dit clairement dans l'article 32-1 que l'éducation est une charge de l'État et des collectivités. Mais combien de froid, mairie, yoshita avec le ministère là. Je dis à compétence éducation. Regardez par exemple, ne serait-ce qu'au niveau de la surveillance scolaire, nous dit que construction bâtiment sous compte l'État. Surveillance sur ce compte mairie. Mais on va imaginer que tu as bien professeur, tu as obligé de venir. Ce n'a pas de discrimination avec développement, éducation, son point fondamental. Absolument, mais je vous dis, dans le budget de l'État, comme un code qui est alloué à l'éducation qui transitait par les collectivités, alors que l'éducation, c'est une compétence partagée. Mm-hmm. Ça explique, ce n'est pas le ministre intérieur, au fait, qui est censé ne, comme si conflit à pas
toujours avec le ministère intérieur et particulier sur question fonds communaux. Se permettre, par exemple, depuis 4 ans, pas une commune qui décaisse fonds communaux. Une commune, une collectivité qui pas arrivé fait investissement, la disparaît, pas une accumulation de stock de capital. Donc, c'est tout pays, il y a même dans l'État, il ne s'est pas investi. Depuis 4 ans, ça, et tu as un pile débat, un pile discussion, on songe ça, voire dispute entre fédération et ministère de planification. Là, c'est pas le ministère intérieur qui est concerné. Alors que, ça, le ministère intérieur, par collectivité, par rapport à la fonds de gestion, capacité, ça le représente, c'est pour fonctionnement en général, avec deux ou trois projets qui fait de certaines communes par rapport à choix que vous faites. Mais investissement ça a 2,7 millions, 500 millions de gouttes, tu as 1,4 milliard de gouttes dans ces 17 là. Le président Jovenel Monté, tu as seulement 3 mois avec ça fini, nous comprenons ça, il a réduit à 500 millions. Mais 37 ans avec ça fini, je dis à vous, vous avez décaissé vos collectivités. Dans la discussion avec le ministère là, eh bien, tu as un coup de côté demandé pour te transférer comme ça par le ministère sectoriel, MICT, TPTC, MSPP. Mais je dis à vous, dans le coup de compte, moi je viens que tout dossier est retourné encore sous 16-17. Ça veut dire que le choix de nous proposer ministre de planification, ministre Aviol, c'était traité directement avec les collectivités parce que nous avons une personnalité juridique propre pour être voyé comme là-bas et que le meilleur tape exécuté. Parce que lorsque le meilleur pas exécuté au titre des fonds communaux, ce n'est pas le meilleur qui n'est pas bénéficié seulement. Et l'État a tout. Parce que le président Jodia, s'il tape, s'il a des possibilités, dans 140 communes, il va chaque 5 millions de gouttes pour faire un projet. Même si le pata d'Elma, le pata Carrefour, le pata Pétionville, le pata Port-au-Prince, mais pour commune, deuxième, troisième catégorie, ça indispensable. Mais je dis encore, pas qu'on goûte. 17-18 l'arrivée là, le projet qui commençait à faire. Alors, justement, permettre que nous enchaînions avec Outla d'Anglade par rapport avec le rapport ça, qui est des fois conflictuel, le groupe d'accord dit que le pas conflictuel tout le temps. Et qui ça empêche espace Chita Palais pour harmoniser le projet entre pouvoir central avec pouvoir local yo et il pas qu'à formel je dis non moi quoi gros effort comme c'est fait là sans ça déjà au niveau ministère nous instauré des rencontres mensuelles avec association yo et fédération yo qui régulièrement réunit avec ministre pour discuter et poser problème et fédération yo problème élu yo problème collectivité en général et problème population parce que tout lié parce que quel des magistrats, quel des ministères, c'est est-ce que le service arrive à la jeune population? Et quoi c'est ça lié? Et quand on peut résoudre le problème, c'est peut-être dans la perception. Parce que je dis à la perception que l'État remplit le cob, l'État riche, et la collectivité aux pauvres. Et je ne sais pas comme ça. Je ne sais pas comme ça parce que je dis à le budget de l'État, c'est ressources propres de l'État, pas gain aide qui vient. Qui permettent que l'État appuie beaucoup plus collectivité. Yo. Mais effort qu'il fait, il faut qu'il fait suivant des bons choix et permettre que, ensemble avec le ministère, l'accompagnement, le type d'accompagnement qu'on a fait pour permettre que, côté qui, par exemple, le ministère n'est pas capable, ou il n'y a pas gagné l'administration pour ça, et appuyer, faire formation et permettre qu'il stabilise le personnel pour arriver à faire des choix et des prioriser et des projets de développement. Parce que je crois que c'est ça qui est plus important. C'est le ministère, bon type d'accompagnement qu'on a fait pour permettre que nous modernisions l'administration municipale. Bon type d'accompagnement qu'on a fait pour permettre que les ressources augmentent tout. Parce que il y a des appuis qu'on a fait à la mobilisation fiscale. Mais en même temps, il y a des appuis que dans la concertation, dans la discussion avec l'autre ministère pour augmenter les subventions et les dotations que l'État a aux collectivités. Je crois que c'est espace dialogue là, l'ILA, ouvert. Et régulièrement nous rencontrer avec eux. Et je crois que c'est ensemble qu'on a fait chemin. Alors, Jules de la Pierre, c'est vrai que les collectivités vont paraître comme des victimes. Mais en dans des bagues dans la société, ils ont gardé les responsabilités de tout, nous avons le problème que la société a traversé. Et une là d'ailleurs, c'est question indépendance du pouvoir judiciaire là, parce que nous connaissons les collectivités, elles ont un gros rôle pour jouer dans permettre le renouvellement justement de la justice dans le système. Non. Et pendant longtemps, par rapport avec une capable dit et manque d'unité bien entre nous, nous pas jamais arriver pratiquement jouer rôle ça vrai et journée jodi là par rapport avec problème ça justement qui réponse ou gagner pour critiquer bon en fait amendement constitution enlever un ensemble de compétences à collectivité surtout dans choix juge
et peut-être moi plus monde pas connaît ça, mais dans la constitution et choix juge pas émané encore. Sauf que faiblesse pouvoir juger. Alors on dit que voilà. Non, je voulais expliquer que le fait que pas mettre en place les organes indirects depuis tout le temps ça, on était attiré sous président Préval pas vraiment faire long feu, mais 30 ans après il était programmé pour mettre en place des organes indirects délibératifs sous gestion collectivité. Je vous dis à Paguel, pas de l'assemblée municipale, pas de l'assemblée départementale, pas de conseil interdépartemental. Et la loi qui a créé le fonds de gestion, qui a programmé que c'est le conseil interdépartemental là qui va gérer le fonds de gestion. Je dis à fonds à gérer sous disposition transitoire, qui gagne, c'est 96, c'est ça, 96 à 2010. Ça fait 22 ans que nous sommes sous disposition transitoire qui est d'application, parce qu'on organise que pas jamais mettre en place. Parce qu'en fait, en tout cas, il ne faut pas perdre de vue que ceux-là qui détiennent le pouvoir au niveau central ont peur de la décentralisation. Et c'est là où le bas blesse. C'est le monde qui est responsable de faire décentralisation qui centralise le pouvoir. Nous avons un réflexe décentralisateur. Comme si, que, je dis à quel ministre qui a bien 17 milliards de gouttes dans le budget national qui va le répartir par chaque collectif, par chaque département. Il ne peut pas faire le poucol. Ça fait, c'est un combat patriotique, décentralisation endeuillée, mais en respect du patriotique, donc l'amour pour le pays, pour nous faire appliquer la loi. Pas de monde qui a pas d'explication pour qui ça, par exemple, en commune, en quartier qui est élevé au rang de commune, des revenus propres pour raison politique qui est élevé au rang de commune. Par le seul fait que l'élevé au rang de commune, il y a deux bagages à induire. Autonomie financière, autonomie administrative. Autonomie financière avait dit qu'il faut qu'il y ait une capacité pour mobiliser ressources propres. Or, ce territoire-là, où elle n'a pas rien du tout, quand même, il est élevé au rang de commune. Qu'on y a, lui, censé, c'est fort que prioriser l'intercommunalité, faire une mutualisation de moyens. Je dis à la loi, pas empêcher, mais pas vraiment, il y a un cadre légal qui est bien élaboré, qui est huilé sur ça. Donc, sous question, ça, je pense que c'est important. Si vous n'êtes pas d'accord avec la fédéralisation, selon le mot de 87 là, qui était programmé organe indirect, que avant des constitutions, hein, vous venez avec l'autre. Bagaille, mais je dis à faut appliquer. Alors justement, on parle de question amendement. Gain justement un projet de révision qui est en cours là au niveau de la Chambre des députés. Est-ce que FENAM est consulté déjà, il fait proposition, ça va passer? C'est peut-être une autre fois fédération et ensemble collectivité consulté dans le processus d'amendement ou bien dans son texte. Par exemple, loi sous SNGRSTA que le député Gary Baudot a été proposé. En termes d'initiative, c'est bien, c'est que le député a reconnaître que bon échec de GSMCRS, il est content de venir en bas avec nouveau. Mais les maires n'ont pas donné leur mot comme monde qui est censé payer les conséquences. Il va participer à l'élaboration. Kazé qui est sur le territoire va être consulté sur ça. Je dis à tout le monde qui a une question Fatra, c'est un bon retardement lié si y a un impact politique majeur sur les élus, sur les maires de la République. Mais regardez, selon la loi, nous avons une responsabilité pour nous balayer SMCRS pour ramasser. Donc, le président Jovenel Kounia, il a défoncé les portes là. Il a bien mérité deux ou trois mérites possibilités, par exemple, car font particulier possibilité pour le matériel. Il y a 50 cas venus encore pour le reste communaux. Pour question, nous ne pouvons pas quitter le ramassage Fatra sur le SMCRS. Encore aujourd'hui, par contre, il y a une loi sur les communes et que la fédération n'a pas bien molle. Et que maire va pas mourir, mais il a fait il va pas avoir résultat. Ou pas quitter ces députés qui ont un conflit ouvert de tous les temps avec les maires et sénateurs qui parlent voter loi sous communio sans participation au maire. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Parce que je dis handicap majeur à l'extralisation, hein. C'est le Parlement. Hein. Attention, hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que sur le territoire communal, il y a un conflit imminent ou bien existant entre maire là et député. Alors, est-ce que vous posez problème ça autour avec parlementaire? Non. L'ordre dit ou identifie ou comme étant donné et des éléments du problème ou bien problème non, tout simplement, mais il faut bien qu'il y ait un endroit pour poser le problème. Effectivement, on a aller au fond de ma pensée sur ce point-là, parce qu'il y a des députés sénateurs, je dis, qui sont plus magistrats que moi, qui sont plus spécialisateurs que moi, qui a défendu l'intérêt de la stabilisation plus passé comme président de la fédération. Je vais citer deux, trois, si vous permettez. Moi, j'ai François Denis, moi, j'ai un député des honnêtes, c'était des mondes comme si qui croient que faut que je n'ai rien à faire. Mais écoutez, comment pour un magistrat, ou dans une commune, l'État a bien investi comme pour faire projet, c'est qu'à regarder où elle a fait, son député qui vient à contracteur, avec un bas qu'on est, on bascule, vient travailler, alors que
ou même mais là on va regarder. Mais c'est ça pour nous dire dans le pays là, que et moi ça vient induit on manque de contrôle des dépenses publiques et ça vient entraîner une inefficacité dans les dépenses publiques. Yo. Parce que contrôle que l'État, la loi dit parlementaire yo, pour exercer sous dépenses publiques, yo, parfait, il aurait été rempli des fonctions qui ont rapport avec les casettes, les maires et fonctions pas yo, pas réalisées. Ça, c'est ma parole, c'est pas la parole. Qui peut porter. On permet que Outan Aglade mette Grenzel partout dans le débat parce que vous avez un point qui est extrêmement important. Discussion qu'a fait autour de collectivité, toujours ouais, le pouvoir exécutif, et notamment le président de la République, comme un monde qui empêchait les décentralisation parce que justement, constitution était visée et dans Télé, dans éparpillé pouvoir, pôle de pouvoir, donc il même l'a essayé et rapatrier le pouvoir. Je vous dis à là, ce sont des éléments nouveaux en débat, Outan Aglade, et le fait que Jules-Édouard Pierre soulevait la question du Parlement Claire. Comme un obstacle fondamental. M'pas quoi le concernant, m'pas quoi le concernant moi-même. M'pense effectivement qu'il y a une nécessité pour nous dialoguer plus, pour nous comprendre bah, mieux. Mm-hmm. Parce que faut ne pas perdre de vue que son processus encore lié la printemps et au fur et à mesure, il faut que nous porter des corrections. Gomay, peut-être Maïs a dit, qui a attiré l'attention, un exercice que nous n'avons jamais arrivé à faire et pourquoi faut que nous fassions. Nous n'avons jamais évalué le coût de décentralisation avec tout ça impliqué comme mise en place d'institutions, et financement et décentralisation. Nous avons fait son exercice pour nous faire. Et il faut que nous connaissions qui moyen nous gagnons tout pour nous faire décentralisation. C'est ça qui fait que il faut que nous dosions par et par rapport à ça, la proposition nous, c'est de garder de façon pragmatique. Par exemple, il faut que la réponse n'importe à la question, il faut que nous cadrer la réalité à besoin de collectivité aujourd'hui. Il faut qu'il pragmatique par rapport à ça. Mm-hmm. Ensuite, il faut qu'il progressive. Mm-hmm. Et je dis à. Qu'on veut ou pas veut. Il y a des collectivités territoriales, et particulièrement des municipalités, même si on a 10 milliards de gouttes, il est difficile pour, malgré le besoin, il est difficile pour les élites. Qui fait que je pense que c'est progressivement pour nous faire mise en place cette question. Et troisième barrière, c'est le fameux 3P que nous travaillons sur lui, c'est participation, effectivement. Et décentralisation nécessite participation tout le monde, tout acteur. Collectivité, parce que c'est eux qui principal concerné, c'est eux qui au quotidien qui a fait mise en place décentralisation. Je dis à réflexe citoyen, et quand la cité va mal, par exemple, sous question fatra, premier réflexe c'est commune Zabarimaïska. Commune Zabarimaïska. Qui fait que moi je pensais que c'est faut que l'on a réfléchi sous question décentralisation, sous question collectivité, sous question gouvernance locale. Premier monde pour nous, c'est la collectivité. Mais l'État, tout, il faut magistrat admettre ça, c'est l'État qui se décentralise. C'est l'État qui a transféré les compétences dans les collectivités. Mmh. Parce que l'État mais il faut que les compétences soient identifiées. Bien sûr. Parce que l'État admet. C'est pas possible. Non, d'accord, d'accord. On dit que c'est l'État qui a décentralisé tête. C'est l'État qui admet et comprend la réalité que je dis qu'elle n'a pas fait tout. Et il y a des réponses qui capotent. Au plus proche de la population, et ces collectivités pour voter. C'est ça qu'elle dit, bon, on a des compétences que moi j'ai gagnées, parce que, c'est encore une fois, c'est l'État qui garant de bien-être chaque citoyen sur le territoire. C'est l'État, il faut admettre ça. Et l'État dit que collectivité, question ça, à travers des compétences que la loi clairement définit, porter des réponses à l'aide. C'est vrai, d'accord, que faut que l'administration centrale, là, l'État, travaille avec collectivité pour joindre moyens. Moyens, monde. Agir aux sources humaines et financement collectivité. Je crois que c'est comme ça pour nous la question et admettre que nous n'avons pas qu'à faire d'un trait. Oui. Son processus, je ne dis pas, c'est processuel. La pointe temps pour nous faire mise en place, la pointe temps pour nous travailler. Oui, ça me donne la question. Alors, je dois bien, juste avant que nous prenions on a avancé. La question, c'est que nous reconnaissons que c'est l'État qui se décentralise. Mais une fois que l'État accepte de se décentraliser, mm-hmm. il va pas vouloir retourner dans la centralisation encore. Si l'État, par exemple, dit que la commune a 4 compétences moins reconnues pour eux, 4 compétences, mais pour que ces compétences soient exercées, il leur faut aussi des moyens. Par exemple, pour la commune métropolitaine, 50
millions, l'autre commune, 3 millions, 4 millions, 10 millions, etc. etc. Faut que l'État transfère ça dans le budget. Parce que l'État n'a pas accepté de centraliser et que le fonds budget seulement pour les trois pouvoirs. Ça fait nous demander 5% du budget de la République pour les collectivités, pour les communes, pour les sections communales. Ou imaginons une seconde que l'État tape les communes 10 millions de gouttes pour le travail chaque année. C'est une section communale, 5 millions chaque année pour le travail. À la belle Haïti. On a dit cette question. Qui gens nous-mêmes, qui démarche nous fait pour justement pour nous participer dans l'élaboration du budget. Parce que quelque part, la loi bat les collectivités territoriales, les possibilités ou même tout pour gagner des budgets annuels, justement pour nous dire, mais qui côté où ils jouent les communes, mais qui côté où ils est-ce que bon, nous faisons des marches, parce que nous sommes songés qu'en octobre dernier, tu as gagné en pile palais, et entre fédération et ministère des Finances, sous loi de finances. 17-18 là pour que ils ont attaqué principale source des revenus communaux qui c'est CFP, BA, impôt locatif. Et moi je toujours dis ça, ou pas qu'à rendre président Jovenel responsable si il y a une modification qui fait dans le texte de CT. Yeah. Le président, attention, ça quand même dit que c'est le ministère des Finances, c'est DGI qui est responsable, alors que le ministère n'a même pas été consulté comme ministère qui a travaillé avec collectivité pour l'État. Ils ont réduit, je dis à mon compète, presque de 23 millions de gouttes. Il y a des communes qui ont fait pour le mois de mars, l'année dernière, 30 millions. Je dis à vous, fait 14 millions. Pas de mécanisme de compensation. Okay. Prends exemple sur la question ou ensemble d'entreprises en Haïti, je dis à, depuis quelques années, Digicel, Natcom, je dis à, Itel, et Comcel, voilà, tout ça. Et après, en Haïti, l'État exonéré de toute taxe communale. Il n'est pas dit de toute taxe impôt, non. De toute taxe communale. Ça veut dire que Dicel vient Kafou, il fait milliard, il vient de fait milliard, Delma milliard. Mais l'État pas deal pour ne pas payer taxe, non. Il dit pas payer taxe communale. Très bien. Nous parlons pour venir parler de je ne dis pas gain compensation, nous mais c'est ça qu'on a demandé au niveau fédération. Nous parlons pour venir parler de fiscalité. Avec notre dialogue, effectivement, dans le respect de la loi. Très bien. Nous parlons pour venir parler de fiscalité locale. Important. Dans la dernière ligne droite, justement, émission ça. Mais en attendant, on a une pause pour nous faire un petit souffle, pour mettre l'idée bien en place, pour nous continuer à porter lumière et construire l'histoire à travers l'émission pour la Haïti 360. Haïti 360, il y a un débat qui est très animé autour de questions collectivité territoriale et surtout question décentralisation avec problème de moyens que collectivité fait face avec la journée Jodia. C'est pour un problème qui date de Jodia. Tout le monde connaît ça déjà depuis plus de 30 ans. C'est toujours même bataille là entre pouvoir central avec collectivité justement pour problème moyen. Si c'est vrai, la loi consacrée autonomie financière et administrative de collectivité, mais quelque part autonomie financière, ça surtout pas jamais effective. C'est une raison qui fait toujours gagner en pile bouche l'ouvrir en deux niveaux de pouvoir ça c'est autour de ça n'a pas débattu sur ya pour nous qui gens collectivité au arrivé jouer tout bon vrai rôle pour tout mitan que vous gagnez dans développement pays ya pour ça nous gagnons avec nous Jules Edouard Pierre qui c'est président fédération des maires sous plateau ensemble avec nous ensemble avec Whitland et Anglade qui c'est directeur question collectivité au niveau du ministère de l'intérieur cap débat un débat qui est très animé et qui a fait dans gros courtoisie qui toujours caractérisé de personnalité ça et nous très apprécier ça nous encourager ça d'ailleurs faut qu'il y ait plus débat en dans pays monsieur et dernière ligne droite là jodi a n'a pas de fiscalité locale de qui ça pratiquement en termes de on va dire cadre légal mairie ou bien l'autre type de collectivité que nous avons là, nous disposer pour permettre justement que nous survivre par rapport avec l'incapacité de l'État central là pour financer projet au niveau de collectivité. Très bien. Pabli, je veux parler, je veux dire, il y a un quatre éléments qui pour permettre de tester ou doser niveau de décentralisation, soit avancer ou pas, c'est financement. Comment financement assurer? Et je veux dire, la finance locale là, c'est pratiquement pendant les finances publiques en général. Le niveau collectivité par rapport à niveau l'État. Il y a une question de fiscalité à la donne, fiscalité locale, ressources propres. Il y a une subvention et dotation que l'État capote. Il y a l'autre type de revenus, de recettes que collectivité a joint, que ce soit dans le don et recevoir, que ce soit dans redevance, les bâillons services payants ou marchands, par exemple. Mais il y en a aussi que, en pile fois, autorités oubliées, surtout au niveau collectivité territoriale,
Tout ça lié à un mécanisme de contrôle financier que le ministère et finance et la Cour des comptes fait. Et je dis à pour nous bailler grosso modo des chiffres sur masse budgétaire dans niveau collectivité territoriale. Par exemple, je dis à masse budgétaire va dépasser 4 milliards de gouttes entre ressources propres et dotations que vous recevez de l'administration centrale. Qui fait gagner un pile effort qui pour faire la question ça, ma bonne des chiffres bien simples. Par exemple, IHS a sorti un document sur quantité habitat. Il dit aujourd'hui qu'il y a plus que 2,7 millions. À peu près. 2,7 millions. Combien qui mobilisable aujourd'hui et combien que recettes permettent d'entrer aujourd'hui. Je crois que Mario arrive à mobiliser 20% là-dedans. Il y a un pile problème qu'il y a ça. Il y a un pile problème qu'il y a ça, à structure qui est en place, à absence, par exemple, effort qui peut faire avec la direction générale des impôts, effort pour la collectivité à travers le service fiscalité, la CAIO fait tout. Même penser que y a un plus gros problème, mais il y a pointé du doigt, à la question fiscalité, c'est des études textuelles. C'est des textes qui datent avant la Constitution 87 là, qui fait que, encore une fois, je dis, on a parlé de développement, financement développement, et nous disons que c'est 4 milliards de gouttes de masse budgétaire. Et là, pour des simples constructions, par exemple, par contre, on place publique en zone rurale, ou un marché public en milieu rural, ou sous 20 et 25 millions de gouttes à peu près. Qui fait quelque part, et sous 4 milliards, ça, si on identifie. Et 4 ou 5 000 zones métropolitaines, ils ont globalisé à peu près plus de 75 à 80% au sein. Qui fait quelque part, effectivement, mais c'est un gros problème. Je crois que dans ce sens, ça, nous commençons à faire des efforts à travers des appuis que nous portons directement à Mairie pour permettre de mobiliser vos ressources et à travers des dispositions que nous prenons pour nous mettre des outils pour eux. Par exemple, je dis à le ministère, dans le cadre d'un projet que nous t'emmener avec appui SAID, nous définissons un logiciel que les Civitax qui permettent que Mério gagne des outils qui ca aider à chercher au secteur. Quoi que c'est dans ce sens ça en a avancé et gagne des efforts qu'a fait pour permettre que effectivement nous mobiliser plus recettes pour collectivité. Il y a un grand penseur britannique qui est Anthony Duchassé qui avance son thèse. Monsieur fait qu'on est que une façon pour l'État montrer légitimité, pour le jouer de légitimité populaire, c'est la capacité de gagner pour la population en service. Au niveau collectivité territoriale, justement, service public à la population, c'est une grosse mission que nous gagnons. Mais service, ça a un bon coût. Donc, qui gens, qui mécanisme, qui ça nous gagne comme appui, comme point d'ancrage en dans les rues, comme c'est Carrefour, c'est zone métropolitaine, en dans les rues pour là, qui sont gagnés comme éléments en main, justement pour ramasser les moyens pour permettre que le service public arrive à joindre le plus grand nombre de la population. C'est une question qui est assez pertinente. Je me raconte avant de vivre directement sur lui, un petit peu enchaîné. Et sur ça, les étapes dit à l'heure, sur la question de fiscalité. Je vais parler spécifiquement sur Carrefour, que dans ça, après, je vais parler une minute sur lui. Je voulais montrer que dans 2,7 millions de bâtis qui nous pétrolisent sur ce territoire là, il a été appliqué taux moyen de 2000 gouttes par bâti, ça fait environ 5 ou 4 milliards. Et au niveau recettes propres, aujourd'hui, elle n'a pas dépassé 1,2 milliard. Ça, vous voulez comprendre. Le DC, c'est parler de masse budgétaire, là, il parlait de capacité financière et fonds de gestion. Hein. Il est ajouté sous lit. Mais avec 140 communes, 146 communes. Donc, c'est comme si c'est 40 qui gagnent, mais là-dedans, c'est 40 communes. Mm-hmm. Et là, pour 6 communes de métropolitaine, non, l'île totalisé 95% de ces 34 communes de la République collectées moins de 5%. Donc, c'est une préoccupation majeure. Ça fait au niveau de fédération, hein, je me suis dit ça avec les ministères là, très souvent, nécessité de une réforme de la fiscalité locale. Ça fait au MRH récemment, dans nous sommes contents que la digitalisation c'est une des composantes phares du processus de réforme. Non? Mm-hmm. Et fiscalité, c'est un thème à part entière pour nous développer et faciliter que meilleure une possibilité. Comment, je dis, pour Carrefour gagner
102 000 propriétés bâties. Pour c'est seulement 7 000 qui payent. 95 000 pas payés. Une commune métropolitaine. Ça va pêcher. Voilà. Moi, je pense, analyse non fait, c'est un problème au niveau d'administration fiscale centrale là. Bon, en 83, il y a un décret sur le gouvernement forcé. Il dit que, alors, il a accordé la plénitude de la mise en demeure du gouvernement forcé au directeur général de la DGI. Mm-hmm. Ça veut dire, je dis à la, si on moune, tout du Nord, fait 10 ans de payer pour locatif, il faut que le directeur général de DGI a signé mise en demeure là pour le contraindre. Même texte qui a institué 5 avril 79 la CFPBA pour le locatif là, il dit qu'il a fait confiscation. Mais combien de fois dans l'âge où tant de DGI saisit un caillou? Tant de DGI fait confiscation pour faire mon payer. Et ça fait, nous demandons que si Mario, c'est ordonnateur, c'est responsable dans la ville là. Comment pour accepter un cas qui a 20 ans pas payé pour locatif? Même cas ça, il paye DH, il paye DINEPA, ou bien entreprise qui loue espace ça pour le fonctionnaire, chaque mois de GI, chaque 3 mois de GI prend taxe interne. Yo. Mais dans le même local là, il y a 15 ans pas payé mairie. Et ça fait, nous-mêmes, la bataille pour soit remettre une direction générale des impôts communaux, ou bien mettre une sous-section en dans DGI, une section générale des finances locales, qui a traité essentiellement le ministère intérieur, question fiscalité locale là. Bon, on l'autre cas. Ou pas attendre le ministère des Finances toujours assigner des objectifs en termes de collecte à la DGI. On a toujours dit ça, pas vrai? Exemple, dit pour tel mois, DGI supposé bailler 10 milliards de gouttes. La douane supposé bailler 5 milliards. Mais combien de fois DGI comme organe de recouvrement des créances de l'État et des collectivités, où j'entends du DGI, pour cette communion, il faut bailler 3 millions, 1 milliard pour moi ça. Ça veut dire que, pas une appropriation par l'État, cette problématique majeure, indispensable au renforcement des collectivités. Alors, nous avons des là qui ont demandé, est-ce que justement, Mério pose des problèmes ça avec la DGI? Non, il faut être honnête tout pour nous dire que, Lionel, je permets-moi, que DG Morland, on a des rapports assez cordiaux avec lui, et nous voyons que récemment là, bien actuellement, il y a un spot sur les médias qui a encouragé nous de payer pour locatif. C'est peut-être, c'est pas peut-être, c'est le résultat de discussion nous avons avec le président, avec le ministre de l'Ensemble, avec le ministre de l'Ingénieur, avec le DG, avec le secrétaire d'État, décembre, pour nous dire que, attention, ils mettent les mains en bagarre nous pour la loi de finances 17-18 là, ils ont réduit les recettes mairies, il faut gagner des mesures d'accompagnement. Donc, nous reconnaissons qu'il faut qu'il fasse. Par contre, la loi sous CFPB à 5-19 là, à partir du 31 mars, nous avons payé sans délai. Mais, 31 mars arrivé, nous avons une prolongation de GI, nous avons une prolongation au 30 avril. 30 avril arrivé, nous avons payé, ça va le faire. Puisque nous avons 95 000 cas qui va payer Kafou. Delma qui a le taux de gouvernement le plus élevé de la République, comme référence que nous saluons, mais jeudi, et 20% le recouvrir sous potentiel limite, 4 fois 6%. Parce qu'il faut nous comprendre ça qu'on parle. Moyenne nationale, là, c'est moins que 10% lié. Est-ce que l'État a accepté, je dis, que sur 100 personnes qui doivent communier, c'est 10 qui payent, alors que nous n'avons pas autorité pour faire relance, pour faire mouvement forcé, alors que tout problème est communier sous compte magistral. Je te dois bien permettre que nous voyons avec Whitland et Anglade, qui gens lui-même les comprennent problème non et qui voit justement le service fiscalité mairie pour jouer tout n'en permettre que mairie a une facilité pour les recouvrer et taxes et impôts ça au nom de collectivité yo soit les services fiscal mairie on pense magistrat peut-être mieux placé pour répondre même ça me dit par rapport à ça c'est que gain des fois qu'a fait et magistrat d'accord et ce deal là avec le secrétaire d'État à décembre, nous avons travaillé en pile sur les propositions de réforme. Et il y a des textes, je dis, qui mettent sous table pour discuter avec les élus sous CFPBA, sous patente, en pile sous l'autre droit et devance qui, je dis, c'est des recettes insignifiantes pour la collectivité territoriale. Yeah. Ça, c'est mon premier bail qui fait. Deuxième bail que le magistrat comprennent et admettent tout, c'est que gain des côtés, gain des forts
de mobiliser aux sociaux qui fait. Mais parallèlement à mobilisation aux ressources, ça yo, servicio pas suivre qui fait quelque part ou pas rentrer dans cette vertu là, m'a bail service et m'a joindre au 7. Et je crois que je dis à Foc Maïscaro travaille sous ça en pile sous la notion de service et quand au 7 est venu à travers des efforts de mobilisation qui fait Foc en même temps servicio. Alors c'est pas pour rien que tu as une citation à donner de chasser voilà. Là parce que quelque part Foc servicio légitimité pour nous collecter au 7 tout est venu par rapport avec capacité que nous gagnons pour nous faire service. Parce que si nous ne pouvons pas sentir au jeune service, non débat philosophique justement si nous ne pouvons pas sentir au jeune service, il n'y a pas de payer le dualisme de l'intégrité de l'impôt par rapport au service. Est-ce que c'est le service qui précède l'impôt ou c'est l'impôt qui précède le service? Pour les collectivités, okay. La réponse, elle est immédiate. C'est l'impôt. D'accord. Mais ça, on casse. Parce que quelque part, effectivement, le réflexe que pour nous corriger, au s'est augmenté, personnel-là a augmenté, ou ça l'a augmenté. Je crois que il y a des réflexes comme ça tout pour nous. Pour nous combattre, quelque part. Et pour finir la question fiscalité, je pense que quelque part, effectivement, il y a des gros efforts qu'a fait. Et Maïska a admis ça, il y a des chutes attendues qui pas de compte fait et qu'a fait jeudi. Il y a des consultations sur Texio. Je pense que faut qu'il ouvre plus. Il faut qu'il ouvre plus, il faut que nous impliquions plus de monde et plus de population, tout à travers des organisations qui travaillent sur la question. Et Parlement surtout, parce que c'est in fine, c'est Parlement qui va voter, texte surtout. Et dit parlementaire, il faut qu'il implique sous la question. Et je crois que il y a des discussions déjà qui commençaient, qui initiaient, mais qui m'ont dit aller plus fond avec la commission. Et surtout la commission intérieure et collectivité. Alors, il n'a pas permis que je dois non une minute rapide pour faire fond relance comme on était en fait tout à l'heure sur question. Ouais, bien sûr. Moi, je pense que le ministère de l'Intérieur a un contrôle pour l'exercer et là où les recettes commencent à s'améliorer pour que pas gagner on radio ou en tentative et irresponsable de mairie pour augmenter charge en dehors des volontaires pour les services, pour que les recettes continuent à augmenter. Par exemple, Carrefour a fait une révolution dans l'histoire de la mobilisation fiscale en Haïti avec USAID Local Plus, et qui était exécuté par André Lafontaine du GRID, son référence là-dedans. Et les recettes Carrefour étaient 7 millions, 9 millions de gouttes. Après introduction au projet, ça, le ministère intérieur était partie prenante. Les recettes avaient 94 millions de gouttes. Avec Magistrat Yvon, que nous continuons et nous continuons. Donc, si moi-même, des jeunes payons le à 7 millions de gouttes. Nous ne pouvons pas payer 7 millions de gouttes sur une recette de 80 millions. Le ministère de l'Intérieur doit accepter tout ça. Parce que le bon contrôle, il fait avant d'approuver le budget. Je dis à ça. Nous ne pouvons pas faire 80 millions de gouttes et nous payons 7 millions. Si le ministère accepte, parce que les missions qu'il n'a pas accomplies. Il faut garder ça, faut bailler objection, dire ça, pas possible, parce que la population a un service. C'est peut-être un handicap qui a gagné dans l'histoire, ça, l'histoire réussie, ça, et ce qu'il faut, hein, c'est peut-être que les recettes vont augmenter, mais effectivement, on a commencé à faire en pile, mais on pas ouais par rapport à gros projets qui programmés sur base participation population, qui réalise ce sacré problème. Même sur la question fiscalité, pour vous finir. Si vous permettez-moi de dire ça, par rapport à, si vous permettez-moi, sur la question ça. Et je crois que c'est un point fondamental et important. Et sur ça, c'est vrai quelque part, le ministère a un gros rôle pour jouer. Et je crois que nous jouons et nous continuons à jouer. Et il y a une démarche que nous avons initiée et que la mairie a activement participé. Très bien. Ces questions permettent que la population participer dans le débat sur le budget. Je crois que une fois que la population participe dans le débat sur le budget, il est clair que ou d'il vient payer ou la payer ou cette. Il faut pour qui ça la paye. Mais il faut pour qui ça la paye et qui ça ou cette ça, à qui ça ou cette ça ou quoi servir. Je crois que il y a des modèles nous expérimentés qui ont un peu le résultat sous des consultations de participation, de modèles de participation avec des audiences que régulièrement
et mairie ouvert et magistrat Kafoua des témoins de audience publique qui était fait avec population Kafou l'ELDAP élaboré budget. Je pense que c'est démarche ça qui pour nous institutionnaliser dans tout pays avec toute commune avec toute mairie de façon à ce que effectivement population chaque communauté chaque commune connaît qui sa budget lié qui sa plein budget a, de façon à ce que lui mande compte à magistrat. Oui. Laisse pas marcher. Je te dois Pierre, nous on va le faire pour la fiscalité mais peut-être que tout introduit question la dernière question dans l'émission hein. La question également de fonction publique territorial. Son élément fondamental, nous pas parler de ça aujourd'hui à la du tout. Donc n'aimer que on t'a dit nous qui gens en fait nous aborder des questions ça pendant que on fait dernier point là autour de fiscalité. OK. D'abord sur question fiscalité, on a dit que nous pensons que il y a péril dans la demeure. Ou pas qu'à son territoire pour que citoyen pas payer taxes et que l'état arrêté passivement a subi ça. Moi je pense que DGI a un rôle pour le jouer, il faut continuer, il faut que DG Morlan continue à partir du 2 mai. Nous demander pour recommencer à relancer la procédure de recouvrement forcé. Parce que ce n'est pas possible, par exemple, Carrefour, bon, il y a 18 ans, il n'a pas payé un goutte d'impôt locatif, quand il salue 68 000 dollars américains à trois entreprises. Digicel, ça passe game, il a un BUH là-dedans. 68 000 dollars américains de loyer par an, il a 18 ans, il n'a pas payé. Moi-même, comme magistrat, chaque mois, je ne vais pas être devant. Il faut déjà comprendre ce qui a passé. C'est peut-être un des plus gros soucis dans ce que je dis là. Recouvrement forcé pour l'ensemble du territoire. Monsieur, l'aime pas c'est Tigouave, l'aime pas c'est Léogane, l'aime pas c'est Grissier, l'aime pas c'est Carrefour, l'aime pas c'est Cité Soleil, Croix des Bouquets, Tabar, Pétionville, Au Cap, Jacmel, Au Caille. Il y a Caille Mounio payé l'impôt locatif. Il y a moyen pour faire comme là. Mais autorité pour faire relancer, lié avec DGI, DGI supposé, notamment une révision de texte qui était accepté au niveau du palais national. Malheureusement, le poco fait, et c'est DGI qui peut faire. Dernier point sur la question fonction publique territoriale là, c'est ça qui fait nous demander la mise en place d'un document de politique nationale de décentralisation. La programmer le tout. Là, il suppose un élément fondamental de politique nationale de décentralisation. Nous reconnaissons bien une fonction publique territoriale. Ça implique que l'EMPA est dans l'Amérique à fou, tout cadre de finition pendant 3 ans, 4 ans. Et Maïssa qui est là, je ne suis pas capable de jouer d'écriture, simple coup de plume, je vais évoquer tout le monde. Il faut gagner des garanties statutaires au personnel, municipal, au personnel territorial, pour pérenniser. C'est ça, voilà, pour pérenniser le service de l'État au niveau local. Ça, c'est un élément fondamental et c'est peut-être justement dans la vision ça, que le président Jovenel, le président Kavini, a sous un document. Pour le dire, c'est essentiel pour nous supporter la fédéralisation. Il faut nous créer la fonction publique territoriale pour apporter des garanties statutaires, des privilèges, comme si assurance à tout le monde qui travaille au niveau de ce, du territoire hein, pour nous assurer qu'il y ait plus de compétences qui viennent là-dedans. Moi-même, je dis à moi, parce que la fédéralisation est irréversible. FENAM fait partie par là, FENAC fait partie par là, FENA 5, le monde qui va continuer. Par contre, moi, je pense que ou par rapport à la décentralisation, si dans l'espace de débat, quand des décisions prennent dans le pays, il n'y a pas de représentant de la collectivité à la donne. Et ça fait nous dire que le Parlement, TK, a une opportunité énorme pour questionner l'État, questionner le gouvernement sous opportunité de décentralisation. Par contre, c'est, si un parlementaire, si c'est parlementaire qui a participé à mettre en place le gouvernement, comment on va le questionner? Ça fait nous-mêmes au niveau fédération. Nous sommes pour le ticket présidentiel. Alors, dernier mot, que c'est un président, un vice-président, nous parlons pour le ministre. Très bien. Alors, pour éviter le chantage. Vous êtes dans la glade, justement, la question de fonction publique et territoriale est fondamentale dans l'idée pour moderniser les rios, mais également pour nous permettre que la gouvernance locale, là, justement, arrive dans le niveau que nous espérons au niveau du ministère et de l'Intérieur. Non, bien sûr. Encore une fois, c'est un élément qui permet, pour 10 ans de dire, mesurer le niveau de décentralisation. Qui personnel ou gagne cap au jour le jour, au quotidien même, mener question de décentralisation. Je dis à nous gagnons à peu près entre 15 000 à 16 000 agents en dans collectivité. Et moins de 2 000 répondent à des cadres des, ou des profils. Il y a des critères fixés. Certainement. Et qui fait que nous avons un gros besoin. Gon gros besoin pour améliorer le profil monde qui travaille dans la collectivité territoriale. Et ça l'a fait effectivement à travers des textes, à travers mise en place
une fonction publique territoriale qui peut avoir des garanties statutaires, mais surtout des perspectives de carrière en administration municipale. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'on a avancé. Il y a une proposition de texte qui est sous table. Et au niveau ministère, nous instituons une commission déjà, je crois qu'il dialogue déjà avec les magistrats. Nous pour le texte. Ok. Mais qui quand même fait des contacts avec. Je crois que c'est dans ça en avancé. C'est des métiers propres qui liés à la question collectivité. Profil. Parce que Jean-Marie Serra se dit, il paraît tout petit genre nuisible embêtant pour à chaque renouvellement mandat, à chaque mandature, ou changer. Parce que tout cadre qui est tout cadre de tout personnel en administration municipale. Nous faisons des expériences qui révélées très concluantes, que ce soit dans le Nord ou dans le Sud. Nous identifier des postes clés dans la municipalité. Et nous disons, nous, une fois que le poste est comblé avec des gens qui ont compétences pour ça, avec des gens qui suivent des formations pour ça, avec des gens qui ont des outils dans pour le travail pour ça, avec des gens qui payent tout, je le fais pour ça. Je crois que c'est vers ça qu'on a arrivé vers la fonction publique territoriale. Jean-Marie Serra, c'était un débat très animé au niveau de la télévision nationale d'Haïti avec magistrat de Carrefour là, Jules Edouard Pierre, qui est également président de la Fédération nationale des maires d'Haïti, et bien, qui t'a coûté un peu de lumière pour nous. Et par rapport avec les problèmes que vous confrontez dans le niveau collectivité territoriale, qui est fort cap fait justement pour résoudre les problèmes ça, et par rapport à tout avec le rapport qui gagne avec le pouvoir central, là, qui j'ai même voulu réarticuler le rapport ça, pour permettre que vous puissiez plus d'harmonie et permettre que le développement, hein, qui c'est l'élément tout le monde a cherché, ou mettre des finalités tout le monde a cherché, et bien, il est capable de vivre à terre. Nous avons tout avec nous, Ruth Landanglade, qui est directeur, et bien, question collectivité territoriale au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivité territoriale, les mêmes qui t'a porté parole technique là pour nous permettre que nous comprendre qui ça cap fait dans niveau ministère pour permettre que justement que collectivité arrive monter sur bon rail pour qu'un jouer rôle protomitant que vous gagnez dans développement pays là. C'est ton débat qui t'a animé par serviteur Lionel Edouard. Nous pensons que lumière est jaillie et dans le projet que nous gagnons ici là pour nous construire l'histoire d'une autre façon, nous pensons qu'on palier déjà qui franchit. Monsieur, merci un peu pour participation nous. La prochaine fois, dans pile monde qui nous pour nous continuer à venir parler sur la question collectivité territoriale. Parce que c'est une question fondamentale et question fondamentale, il y a toujours parlé dans Haïti 360.